Chers téléspectateurs, 5 de Pique célèbre le photographe Wadah Faris. Né en 1940 à Alep d'une mère syrienne et d'un père irakien, Wadah Faris s'installe à Beyrouth en famille en 1947. Au terme d'études secondaires, il entame une formation d'architecte en Angleterre, se pliant au désir paternel. Il rentre au Liban plus tôt que prévu, sans diplôme, mais avec l'envie de marquer la scène culturelle locale. Il est d'abord graphiste, notamment au Nahar. Il s'essaie à la peinture et au dessin. À partir de 1969, Wadah Faris réalise des milliers de photographies. Il emploie un appareil analogique. L'outil nécessite l'action de la lumière sur la pellicule. Ce type de caméra demeure le médium favori de l'homme. Un certain nombre de clichés possèdent une valeur artistique justifiant d'être exposés. Nous y reviendrons. Pour l'heure, Wadah Faris fonde la galerie Contact avec ses associés César Namour et Mireille Tabet. Nous sommes en 1972. L'art moderne arabe et libanais y est présenté avec succès jusqu'en 1975, date de fermeture de l'établissement. Wadah Faris s'installe à Paris. Il inaugure sa galerie éponyme en 1979. L'enseigne sera active jusqu'en 1992. Dernièrement, l'artiste vit entre Barcelone et Beyrouth. De Pique vous présente le concert de Stockhausen à Jaïta. La photographie a été réalisée par Wadah Faris en 1969. L'impression comprend 6 éditions et 2 épreuves d'artistes. Ces tirages ont été réalisés à l'occasion de la rétrospective que lui consacre la galerie Saleh Barakat en 2017. L'œuvre appartient à la collection de l'artiste. En 1969, l'artiste Marc Ernest séjourne à Beyrouth, invité par le ministère du Tourisme au concert du compositeur allemand Stockhausen à la grotte de Jaïta. La cave supérieure du site est aménagée par l'architecte libanais Hassan Klink. Informé de la venue du peintre qui l'adule, Wadah Faris acquiert un appareil photo et devient le guide du maître du surréalisme. Célébrant l'ouverture au public de la galerie supérieure, la photographie en noir et blanc immortalise l'événement. L'éclairage central met en valeur les parois grandioses dans un lyrisme empreint de spiritualité. La passerelle en haut à gauche souligne l'accès difficile à l'espace. Le cadrage vertical du format honore l'action qui se déroule en plongée. Il écrase les perspectives dans un plan général qui intègre la musique et donc l'art au site. Le compositeur à son pupitre, au centre de la scène, détermine la ligne de force se fondant à l'asymétrie de la grotte. Grâce à la maîtrise du médium, Wadah Faris est le gardien de l'esprit d'une époque dont aucun progrès n'a pu atténuer le charme. Scrutant les idéaux d'une période charnière, il propose un cadre de compréhension utile dans un Orient hanté par ses démons. Rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour partager 5 de Pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art et à l'équilibre qu'il procure.